Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler d'un globe terrestre très spécial, un globe terrestre tactile, un globe terrestre vocalisé, accessible à tous. Grâce au stylo Léo, vous allez pouvoir justement vocaliser, avoir une reconnaissance vocale sur ce globe et pouvoir utiliser, comme tout le monde, lire tout ce qui se passe sur notre planète via la synthèse vocale. Et tout ceci se passe par NFC, c'est vraiment ultra sympa. Grâce à ce stylo Léo, en compagnie du globe terrestre vocalisé, vous allez voir que les enfants en situation de handicap visuel, malvoyants, aveugles, vont pouvoir avoir accès au globe terrestre comme tout le monde. Et ça, c'est vraiment le top. Comme d'habitude, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour continuer à nous encourager, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et surtout, n'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, c'est super important pour le référencement de la chaîne. Alors, bienvenue sur Vision Hightech. On va donc tout de suite passer au déballage du Léo. Du globe terrestre parlant, c'est parti pour cette vidéo. Voilà donc, quand vous allez recevoir le globe terrestre parlant, vous allez avoir un socle et une vis à enlever du globe et à visser sous le socle. On va tout de suite déballer ensuite le stylo NFC Léo et c'est parti pour le montage du globe. Donc tout simplement, vous avez donc une vis à enlever sous le globe. Vous placez donc cette vis sous le socle. Voilà donc les amis, une fois que vous avez monté votre globe terrestre vocal, on a un très joli globe terrestre en bois avec de jolies couleurs, de jolis reliefs que l'on peut toucher sans aucun problème. Ce globe a été complètement adapté pour les enfants en situation de handicap visuel pour que les enfants puissent découvrir la planète telle qu'elle est aujourd'hui. Le toucher est vraiment très réaliste au niveau des montagnes. Je vous montre ici de très près. Et on va tout de suite le tester avec le stylo Léo qu'on va déballer tout de suite. Voilà donc, est livré avec ce globe terrestre vocalisé, ce stylo, le stylo Léo. On ouvre tout de suite la boîte. Et on s'aperçoit qu'il y a un petit polystyrène qui recouvre notre stylo qu'on enlève tout de suite. On arrive tout de suite sur le stylo. Alors le stylo, pour ceux qui ont déjà utilisé un Penitalk, ça ressemble énormément au Penitalk. Voilà, donc le stylo est équipé de trois boutons. Le bouton volume haut et volume bas. Le bouton marche arrêt. Et sur le dessus, on a donc le haut-parleur. La pointe du stylo, c'est ce qui va permettre d'aller numériser, scanner les étiquettes NFC. Voilà comment est fait ce stylo. C'est vraiment très sympa et très accessible. À l'intérieur du paquet, si on enlève le carton où était positionné le stylo, on va rencontrer donc un câble USB-C vers USB-A pour justement aller mettre ou enlever des choses à l'intérieur du stylo pour ajouter donc des étiquettes NFC. À l'intérieur, vous allez retrouver donc une petite plaque NFC pour changer les langues. Votre stylo, il doit vous arriver peut-être en anglais, en espagnol. Grâce à ce petit carton, vous allez pouvoir changer la langue tout simplement en positionnant le stylo dans l'un de ses ronds. C'est parti, on va le faire ensemble. Pour allumer le stylo, on va donc appuyer sur le bouton qui se trouve tout en haut du stylo et on fait un appui de quelques secondes. Vous devez donc entendre allumer, si ce n'est pas en français. Tout simplement, vous prenez cette petite plaquette et vous positionnez le stylo devant. Portugais. Portugais. Français. Français. English. English. Espagnol. Espagnol. Donc vous vous positionnez devant la langue voulue. Français. Et le stylo sera donc en français. Plutôt cool, non ? À l'intérieur du package, on va retrouver donc la petite notice du stylo. C'est une notice qui se déplie. Et à l'intérieur, vous allez donc avoir un petit package d'une cinquantaine d'étiquettes NFC supplémentaires. Voilà tout ce qu'on va retrouver à l'intérieur du package du stylo. On va tout de suite passer au test de notre belle planète, la planète Terre,
et ce globe terrestre vocalisé. C'est vraiment cool. Montrez-moi ça en barre des likes. Je compte sur vous, les amis. Alors, sur le stylo, comme je vous ai expliqué, le bouton d'en haut, c'est le bouton d'allumage. Et juste dessous, vous avez donc une barrette qui a des petits repères tactiles. Sur le haut, volume maximum. On augmente le volume. Diminuez le volume. Ou sur le bas, on diminue le volume, bien sûr. Volume maximum. Pour allumer et éteindre le stylo, c'est le petit bouton d'en haut. C'est un appui de quelques secondes pour pouvoir donc l'allumer. Attention, dans le stylo, ici, vous avez une toute petite vis. Les piles ne sont pas fournies avec le stylo. Ce sont donc deux piles triple A qui ne sont pas fournies, je vous préviens. Donc vous dévissez cette toute petite vis, la trappe se lève et vous mettez vos deux piles. Une fois tout ceci fait, vous avez donc un globe en bois de très bonne facture, avec de très bons reliefs. C'est vraiment très accessible aux enfants qui sont vraiment malvoyants ou aveugles, ou aux adultes. Alors ce globe peut être vraiment pour l'éducation nationale, pour les parents ayant des enfants en difficulté visuelle. Ici, on a un globe qui tourne sur lui-même, comme tous les globes que l'on peut rencontrer en vente libre. Et avec ce globe, on a donc notre stylo. Dans le globe est incorporé ce qu'on appelle des étiquettes NFC. Le stylo a ses étiquettes NFC enregistrées au préalable à l'intérieur et décomposera donc notre stylo sur les différents endroits du globe. Le globe va nous dire où est-ce qu'on se trouve. C'est parti, on va allumer le stylo. Allumé. Voilà. Une fois que c'est allumé, on n'a plus qu'à poser notre stylo aux endroits bien précis du globe. On a donc l'océan Pacifique, d'autant plus que sur le globe, on ressent bien les reliefs au tactile. C'est vraiment excellent, vraiment, c'est vraiment très sympa à toucher. Nouvelle étiquette. L'Asie. On est donc sur l'Asie. La péninsule arabique. Les grandes plaines. Les grandes plaines. La péninsule d'Alaska. La péninsule de Kamtchatka. L'Asie. Alors je vais toucher ici. L'Asie. Et nouvelle étiquette. L'Europe. On a donc l'Europe. Les Apennins et péninsules italiennes. Les monts Zagros. L'océan Pacifique. Voilà, donc comme vous l'avez compris, ce globe terrestre est un globe terrestre complètement accessible, l'océan Pacifique, entièrement vocalisé via le stylo Léo. Alors ça peut être vraiment un outil existentiel pour l'éducation nationale, pour les classes ayant des enfants avec une déficience visuelle. Alors ce globe terrestre peut être vraiment utile dans des classes où des enfants en difficulté visuelle peuvent se trouver, pour que ces enfants soient à égalité avec les autres. Ça peut être vraiment idéal dans les collèges, dans les lycées, dans les classes supérieures, pour apprendre à vos enfants à comprendre comment est faite notre planète. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Surtout donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'un tel globe vocalisé. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Et surtout, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour venir nous rejoindre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bien sûr, accessible sur Vision Hightech. Salut à tous!